Dans ce tutoriel vidéo du jeudi, nous allons regarder une des fonctionnalités assez récentes implémentées dans le logiciel Maya dans le secteur de l'animation, qui est le caméra séquenceur. Donc, le caméra séquenceur permet de réaliser le montage de différents plans réalisés avec différentes caméras sous la forme d'une séquence sur lequel on va pouvoir donc avoir un bon montage sur cette séquence. On va pouvoir agencer les différents plans pour ensuite réaliser un playback et regarder le rythme que l'on obtient de cette séquence avec la succession des plans et voir effectivement si notre animation et les différents plans caméra correspondent à ce que l'on recherche pour ensuite au final donc en sortir donc des informations qui vont nous permettre d'en faire le rendu donc des différentes caméras et des différentes donc frames véritablement utilisé par telle ou telle caméra pour réaliser tel ou tel plan. Donc, ce caméra séquenceur permet une meilleure productivité, d'améliorer donc la rapidité d'exécution de son travail dans le choix donc des plans et dans le choix d'agencement de ces plans et de leur utilité à l'intérieur donc de la séquence. On va pouvoir, comme on le voit ici, donc et on va le voir ici dans ce tutoriel, réaliser donc une succession de plans avec une frame de départ et une frame de fin qui va nous définir exactement dans le temps le plan avec sa caméra et sa frame de départ et sa frame de fin et qui va donner donc cette information-là ensuite au rendu et on va pouvoir comme ça fabriquer le rendu de juste ce que l'on a besoin entre la frame 1 et 96 par exemple pour le plan 1 et on ne fera pas donc le rendu au-delà de cette frame-là. Donc on aura un gain ici de productivité et un rendu, un travail sur le rendu beaucoup plus efficace et une perte de temps moindre donc ici avec ce système-là. Donc le caméra séquenceur permet de sortir un playbast. Donc le playbast nous permet de voir le rythme et de le jouer donc en temps réel, comme on va le voir là maintenant. Ok, donc le playbast que l'on voit ici réalisé donc à partir du caméra séquenceur permet de voir le rythme, est-ce que la voiture va assez vite, est-ce que le mouvement de caméra est bon, à quel moment il faut cutter le plan, est-ce qu'il est trop long, et ainsi de suite. Donc toutes des questions que l'on peut se poser et qu'on peut donc déjà résoudre aux trois quarts, voire quasiment toutes, avec ce fameux caméra séquenceur. Alors ça ne nous empêchera pas, bien entendu, et ça sera nécessaire dans tous les cas, après avoir rendu donc les différents plans, de les remonter donc sur un vrai logiciel de montage, comme Premiere, After Effects ou Nuke pour faire du compositing, trucage, montage des différents plans, bien sûr, pour les ajuster en termes donc aussi, bien entendu, de retouches, de trucage que l'on pourra éventuellement rajouter de la poussière sous les pneus et des éléments donc de FX ou de VFX complémentaires. Ok. Donc, ce caméra séquenceur se présente de la manière suivante ici. Donc d'une succession de tracks. Donc on va reprendre ici donc les différents. On va supprimer. Voilà. Donc quand on ouvre le caméra séquenceur, voilà ce que l'on a donc ici. On a donc une proposition de piste soundtrack ici. Donc on peut mettre effectivement une piste audio, on ne le verra pas ici, mais on peut caler donc une piste audio par rapport donc à une certaine musique, une certaine sonorité. On va pouvoir caler nos plans, ce qui nous permettra ici de faire un pré-montage audio-vidéo qui peut être relativement intéressant. Donc autrement, dans un premier temps, avant véritablement d'attaquer le caméra séquenceur, bien entendu, on a mis en place donc une succession de caméras qui vont filmer l'action que l'on veut donc faire réaliser donc sous la forme d'une séquence. Donc ici l'action est relativement simple, c'est le déplacement d'une voiture qui fait un petit parcours donc dans la ville. La voiture donc que l'on voit ici part donc ici du début du passage piéton, prend un virage un peu serré avec une portière qui s'ouvre ici, comme on peut le voir. Okay, comme on l'a vu dans le playbast ici, et puis donc la voiture va continuer sa course pour sauter ensuite donc au niveau du pont ici, okay. Faire un petit saut
très cartoon ici, atterrir et disparaître donc après le virage. Ok. Donc voilà un petit mouvement que l'on va filmer donc par différentes caméras que l'on a mis en place. Donc ici je remets show caméra. Donc on a mis une caméra de départ ici sur lequel on va avoir donc un mouvement de rotation de panneau ici. Voilà pour suivre le mouvement de la voiture. Ensuite, le mouvement de la voiture, la trajectoire de la voiture va être repris par la caméra 2, virage en champ. Elle arrive devant comme ça. On est toujours du côté gauche du mouvement et on laisse partir la voiture donc sur le côté gauche ici. Et on la récupère avec une caméra donc en contre-champ au centre, comme sur le plan précédent. Et elle part un peu donc sur la gauche pour se recentrer. On quitte la voiture à ce niveau-là pour arriver donc avec les caméras sur le pont qui va filmer donc la caméra arrivant sur le pont, sautant, sortant encore une fois côté gauche du plan. On voit qu'on a des plans relativement cohérents en termes de mouvement à l'intérieur du plan. Et contre-champ de la même manière, on part de la droite et on va sur la gauche. Et on a donc le dernier mouvement ici de la voiture qui prend son virage et qui disparaît derrière les arbres. Ok. Donc voilà l'ensemble des caméras mises en place. Chaque caméra va avoir donc en règle générale le même dispositif de prise de vue. Donc ici on a choisi un 35 mm pour les caméras et puis on a choisi donc un format ici donc HD 540. Donc ça c'est les caractéristiques donc à mettre en place que l'on va retrouver donc sur l'ensemble des caméras. Bien sûr, il y a d'autres caractéristiques pour les caméras selon les moteurs de rendu que l'on utilisera. Ici, on utilisera Mental Ray et on pourra voir éventuellement dans les prochains tutos, comme on l'a fait donc en rendering, de voir donc quels sont exactement les paramètres que l'on peut donc sur lesquels on peut travailler avec des lens shaders, des effets comme ça que l'on peut rajouter donc au niveau des caméras. Donc ici, on a disposé donc l'ensemble de nos caméras. On les voit ici. Okay. Champ contre champ sur le virage ici, par exemple. Et à partir de là, eh bien, on va venir donc maintenant sur le caméra séquenceur. Alors, le caméra séquenceur se trouve dans Window, Animation, Caméra séquenceur. Okay, voilà le caméra séquenceur ici. Et on va donc créer une succession de plans, de shots. Donc ici, on va utiliser la première fonction Create Shot, ici qui nous permet donc de créer un plan. Donc ce plan, si on clique, il est créé par défaut sur la caméra perspective actuelle de 1 à 320 complet sur l'ensemble de la séquence. Donc, ça, c'est une méthode. On peut revenir, bien entendu, si on fait ça, bien entendu, dans l'attribut Editor, on va retrouver toutes les caractéristiques, on y reviendra dessus, du plan et on peut venir recontrôler le plan ici sur le choix de la caméra. Donc on peut très bien passer de cette manière-là. Choix de la caméra, 1, ici 96 par exemple. OK. Star frame, donc 1,96, scale 1. Il n'y a pas de blocage pré- et post-hold ici. Et on laisse donc les paramètres tels quels par défaut. Donc on a notre premier plan caméra ici. Et on voit automatiquement que c'est créé ce qu'on appelle un track, une piste ici, donc appelée un track. Et on peut faire bouton dans la souris. Insert track ici qui permet d'obtenir donc un deuxième track. Okay. Quand on veut, pardon, créer, on va se mettre en 1-1. Okay. Quand on veut créer donc une deuxième piste. Alors on peut aussi donc à ce moment-là on va déplacer la ligne de temps dans le caméra séquenceur pour venir lire donc notre plan ici qui se déroule. Okay. Donc on vient jusqu'à la dernière image du plan. Et on voit que la caméra est bloquée à la fin de 96. La caméra et le mouvement aussi, donc c'est figé derrière la caméra 96, puisque c'est le caméra séquenceur qu'on lit. Si on vient dans le time slider ici, eh bien on peut continuer donc à bouger donc la voiture en continuant en bougeant les frames. Parce que là on est dans le time slider et on voit donc toute l'animation sans blocage par le caméra séquenceur. Alors que sur le caméra séquenceur, eh bien, si on lit, après il ne se passe plus rien, donc ça fige. Donc je viens ici en
96, et je vais venir créer donc un nouveau create short, et je peux ici à ce moment-là cliquer sur l'icône des settings et venir donc rentrer donc short 2 caméra donc virage champ. On va partir de la frame donc 96 par défaut puisque j'ai fini à 96 et puis on va mettre ici 120. Ok, et on fait create. Donc ici on a donc un nouveau shot, un nouveau plan. Alors pour agrandir, pour déplacer c'est Alt bouton du milieu de la souris, pour agrandir c'est Alt bouton droit de la souris et on retrouve les mêmes fonctionnalités bien sûr que dans tout Maya. Et qui va nous permettre donc ici, je vais le positionner ici, voilà. Okay. D'avoir donc les différents plans, les deux plans ici que j'ai créés. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit les plans sont décrits de la manière suivante. Ici, on a donc le plan qui commence à la frame 1, c'est la ligne du bas, et qui finit à frame 96. Donc elle dure 96 frames et est à 100%. Et la durée donc du plan est de 96. Alors ce plan-là avec la caméra donc 1 underscore depth donc pour départ filme quoi? Filme le time slider donc le temps de la frame 1 à la frame 96. D'accord? Donc on a une correspondance entre quand sera joué donc le shot et ce qui filme sur la première séquence ici. Mais par exemple, imaginons que je me déplace. Je déplace ici mon shot, mon plan. Hein, okay. Donc je viens ici au début. Okay. Donc je suis au début. Donc si je fais le time slider, eh bien, je vois donc le mouvement de caméra et tout qui se passe bien. Si je viens maintenant sur le caméra séquenceur, au début il ne se passe rien, donc figé, on voit que ça ne bouge pas. Et puis à partir de 29, la voiture va commencer donc à démarrer. Pourquoi elle démarre à 29? Parce que le plan ici, le shot, ne commence qu'en 29, c'est la ligne du bas, et ira jusqu'à 124. Et que fait donc en 29 le plan? Il lit donc ce qui se passe à la frame 1 jusqu'à la frame 96. Donc il faut bien différencier donc entre ce que lit le plan avec la caméra et à quel moment il va nous donner à avoir ce plan-là. Et donc il nous donne à voir ce plan-là qu'à la frame 29 et ça correspond à la frame 1 qui est lue. Voilà, et on a donc le mouvement de caméra. Donc ça c'est assez intéressant parce que on va faire un truc assez simple qu'on utilise beaucoup, alors pas pour le premier plan, mais qu'on utilise beaucoup au cinéma, c'est le redoublement donc du plan ici, qui est assez classique pour. En règle générale, c'est pour créer du suspense dans les actions. Où par exemple on a donc un méchant qui a un couteau à la main et qui court après donc une jeune femme dans un couloir et ce personnage qui court dans le couloir met beaucoup de temps à arriver au niveau de la jeune femme et si on filme ça avec différentes caméras ça mettra d'autant plus de temps que à chaque fois qu'on change de point de vue et de caméra donc de point de vue eh bien à ce moment-là le personnage recule sans qu'on le sache mais il redémarre un peu plus loin de là où il était, ce qui fait qu'il va mettre beaucoup plus de temps et que le suspense va être d'autant plus important. Là, ici, on va appliquer un peu la même chose et on va venir donc conserver donc ici le départ de. Oops. Donc ici, on a une fonction qui lit les deux clips qui s'appelle ici Edit, Replay Edit. Je la décoche de telle manière que je puisse séparer les clips. On reviendra dessus. Donc ici, en fait, on va démarrer en 97. Donc tout va bien, j'ai mon plan suivant 97. Mais là, j'ai ma voiture qui est bien en 96. Donc il y a une continuité du mouvement de la voiture qui est raccord entre les deux caméras. Et donc si je veux appliquer ce que je dis ici, il va falloir que je vienne décaler. Donc par exemple, alors je vais un peu exagérer, je vais venir carrément de quasi 10 frames. Et ensuite ramener donc ici voilà et tac donc ici j'ai ma caméra ma voiture qui va être lue comme si elle se trouvait à la frame 96 enfin elle va être lue
se trouvant à la frame 96, mais lu donc à partir de 96 pour être raccord. Donc ici, en fait, je peux très bien changer encore. On va exagérer, on va mettre 75 et la voiture va reculer comme on le voit ici. Et donc du coup, on va lire. Alors, hop, on voit plus rien là. Voilà. On va lire la voiture qui est au droit du réverbère ici, du lampadaire, pardon, au droit du lampadaire à peu près donc à la fin du premier plan. Et quand on le reprend le plan suivant, ben, on voit que nettement la voiture est avant le lampadaire ici qui se tord à son passage. Et donc ensuite on va voir le mouvement continu de la voiture. Donc on voit qu'on peut éventuellement donc exagérer. Alors pour être vraiment, voilà, c'est 97, 96 pour 97 ici, et on viendra donc ici corriger. On ne laissera pas 75, c'est trop, mais 10 frames déjà c'est pas mal. 96, ça peut être intéressant pour revoir donc à ce moment-là le mouvement de la caméra, pour prendre le temps de vous bien voir la voiture donc arriver et tourner donc ici. Voilà, et on va prendre donc par contre étirer un peu, voilà, pour aller jusqu'à ce que la voiture parte donc en 124 ou en 125. Voilà, je sais ce qu'il reste plus qu'un petit coin de la voiture. Donc voilà comment on va monter donc les différents éléments. Alors on peut jouer donc sur la cadence ici qui est à 100% et venir au niveau du scale par exemple rentrer 2. À ce moment-là, on va étirer donc le plan ici qui va être toujours qui va toujours filmer donc de 96 à 124, de 86 pardon, à 124 sur ce plan 2, mais qui va le lire entre les frames 97 et 174, c'est-à-dire qu'il va prendre deux fois plus de temps pour lire la même partie d'animation. De 86 à 124, il va mettre deux fois plus de temps. Okay. Donc à partir de 97 ici sur ma ligne de temps. Okay, Okay. Et donc à ce moment-là, la voiture va aller lentement. Ok, pour. Voilà. Ok, donc je remets 1 ici, voilà. Donc on va avoir maintenant des fonctions d'édition assez classiques. Bon, je vais remettre un troisième plan ici. Ok. Voilà. Et on va venir le positionner ici, en 136 à la suite. Donc il va prendre deux. On finit donc en 124, ici au-dessus. Filmer ce qui se passe en 124. Ici donc on va prendre 114 et end frame 144 pour voir. Okay. Donc ici, on va voir ce que ça donne. On tire sur la ligne de temps du caméra séquenceur. La voiture s'en va. Plan suivant. Ah, on n'a pas changé de caméra. Donc c'est ici donc la caméra contre-champ. Voilà. Et donc on voit arriver donc ici la voiture dans le champ et son virage et à part. Donc ici, on est peut-être un peu trop tôt en 114. On va mettre 120 éventuellement, donc on regarde ce que ça donne. Voilà, on a la voiture qui est déjà un peu dans le champ ici. Faut pas trop exagérer ce phénomène-là. Ok. Et donc ensuite on continue. Voilà, et la voiture continue sa course. Ok. Regardons maintenant un peu d'édition de ce caméra séquenceur pour terminer. On a différentes fonctions. Alors, on a les pistes de track ici avec les icônes que l'on reconnaît, que l'on utilise dans le Tracks Editor, qui vont être l'icône solo pour juste lire cette piste, l'icône interdiction et figer donc la lecture donc de cette piste, monter et redescendre les pistes ici pour les intervertir, loquer. Avec le cadenas ici, donc loquer le cadenas ici, donc les pistes pour pas qu'elles soient changées, ça c'est intéressant. Et on a des fonctions particulières maintenant, comme justement la fonction qui a été enclenchée, par défaut elle l'est pas, c'est le Rip Edit ici, qui permet justement quand par exemple on déplace un plan, que de part et d'autre on ait donc le suivi des autres plans.
Ça, c'est assez intéressant. De la même manière, si on vient à tirer donc sur le plan, le suivant donc suit, les suivants même suivent, ok, et vers l'avant aussi, si je voilà, on a donc toujours un raccord donc des plans qui est défini ici, qui ne peut pas bouger entre les plans. Il suffira que j'enlève Rip Edit ici et je pourrai par exemple décaler, créer un gap, ok, créer un gap ici, ce qu'on appelle un gap ici. Et éventuellement, donc justement, en sélectionnant donc les différents shots ici, plans, je peux venir donc utiliser des fonctions ici de remove shoot gap, ok, qui permet de ramener tout le monde donc bien calé, ok. Et de la même manière, ok, si j'ai des superpositions qui sont pas vraiment très intéressantes puisque il lit qu'un plan à la fois, le caméra séquenceur, donc il faut attendre que le plan soit terminé pour que l'autre arrive. Eh bien, je peux venir donc enlever, remove shoot overlap ici. Hop, il faut sélectionner donc les plans. Voilà, et tout le monde se réaligne. Et donc à ce moment-là, je peux remettre en place Ripple Edit, de telle manière de d'avoir maintenant donc quelque chose de bien monté, bien calé, donc les plans les uns à la suite des autres. Ok. Voilà un peu pour du montage. Et enfin, ce que l'on fera, c'est que l'on pourra créer donc un playbast. Donc on pourra créer un playbast des selected shots, des all shots, de la séquence. Donc ici on va prendre la séquence. Donc ça se mettra dans la directory movie, on donnera un nom à la séquence, view et off screen, donc c'est les paramètres du playbast que l'on laisse ici par défaut, dont on a vu toutes les caractéristiques dans nos tutoriels, donc dans l'animation et le rendu. On va utiliser, et on l'a vu, les différents formats QuickTime AV Image. Donc, on a une préférence pour QuickTime qui fonctionne beaucoup mieux avec un H264, qualité 100. Et ici, on va rentrer le format, pas le format qui nous est donné donc du display de la 3D, mais le format justement que l'on a choisi dans les render settings, de telle manière d'avoir effectivement donc le format cinéma que l'on va ensuite faire avec le rendu 3D. Et donc on joue, on lance Play by séquence, et donc à ce moment-là, le caméra séquenceur est lu et on obtient donc le résultat suivant. Le résultat suivant ici, où on a donc la succession des différents plans avec donc le display que l'on a donc sur notre carte, enfin sur notre écran par rapport à notre carte graphique. Je dis ça parce que ici on est donc avec le render 2.0, on a l'occlusion, on a le on a donc le motion blur, l'occlusion et les textures en basse définition. C'est pour ça qu'on a un peu de flouté, de telle manière que l'on puisse donc tout voir quand même. Et c'est vrai que maintenant le nouveau viewport 2.0 est vraiment très intéressant pour se donner une bonne idée déjà du résultat que l'on va obtenir. Ici, on n'est pas en mode light, donc on n'est pas sur la touche 7 où on a donc les lights avec les shadows. On est donc juste avec le texturing, l'occlusion et le motion blur pour obtenir donc le résultat ici avec le playbast. Donc voilà un peu ce que l'on peut donc obtenir avec ce caméra séquenceur. On pourra bien entendu changer les plans, les intervertir. Ça, on l'a vu dans le Tracks Editor, on peut jouer donc sur les tracks ici, décaler, déplacer. Alors, je suis en Ripple Edit, donc ici voilà. Je peux très bien aussi donc caler l'ensemble de mes plans donc sur une seule sur un seul track puisqu'ils se suivent éventuellement. Donc je peux les faire suivre ici 124, 125 et ainsi de suite. Ok. Et je peux donc aussi insert track. Voilà. Avoir donc un plan, un shot par track ici, comme je viens de le refaire. Ok. Voilà donc un peu les différents éléments. Après, il y a d'autres outils d'édition, mais c'est des outils classiques que l'on connaît donc dans le Tracks Editor. Ici, j'ai montré les particularités donc du caméra séquenceur. Voilà donc, bien entendu, pour avoir plus de détails et voir dans quel contexte aussi on peut récupérer les informations du caméra séquenceur pour les envoyer dans le render layer, dans les render layers et sortir donc toutes
les passes de rendu avec les différentes caméras et les différentes frames utiles donc au plan, eh bien on retrouve tous ces tutoriels et ces cours en direct dans les formations bien entendu de spécialisation, d'animation, de rendu 3D et de compositing VFX aussi où on a intérêt à connaître au moins les différentes possibilités donc des sorties ou des pré-sorties que l'on peut faire donc avec un logiciel de 3D pour voir déjà un pré-montage et donner des informations donc à ce moment-là à l'infographiste de rendu par rapport à ce que l'on veut obtenir dans le compositing.